I bet you use AI on a weekly, if not daily basis. I know I do. In my everyday work as a journalist, I use it for things like transcription or translation. But how much is AI costing us? And do we have enough power to feed what seems like a never-ending stream of new AI tools? We took a trip across Europe's power grid to find out. Start off our journey, why not ask AI directly? So it seems that a lot of AI's energy use comes from storing the data it needs to function. And that data is kept in data centers, the physical manifestation of everything we store online. Or did you think the cloud was actually a cloud? These behemoths require quite a bit of energy to run. In 2023, data centers in Ireland consumed as much energy in a year as all urban households in the country. And with the explosion of AI, especially generative AI, data centers' thirst for energy will only increase. According to this International Energy Agency report, data center energy consumption will more than double by 2030. And if we looked at AI-optimized data centers in light blue, those might quadruple their energy consumption in that same time frame. Those are pretty staggering numbers, considering that 2030 is just 5 years from now. And you know what else has to happen by then? Europe has to cut its carbon emissions by 50% compared to 1990 to achieve its goal of becoming climate neutral by 2050. The bloc has been working on curbing its energy consumption to decarbonize its energy mix. So how is the continent going to handle this huge surge in energy demand? Let's get back to data centers. More and more of them are popping up across Europe, but many companies are trying to plan new ones with energy efficiency in mind. We contacted Microsoft to ask whether we could see one of their data centers. And while we weren't allowed to film inside the functioning one, they invited us to come along on a press visit to see one that they're currently constructing in Finland. Could you say a few words for me, please? Testing, testing. One, two, three. We're here in Espoo on the outskirts of Helsinki, the construction site for one of Microsoft's newest data centers here in Finland. This data center will be one of our most sustainable data centers in Europe. So excess heat that's generated from the data center will go on to heat around 250,000 houses in the area. Hot comes in here, cold out there. I'm not sure. So just getting my bearings around this particular unit. Every data center needs to optimize energy efficiency. That's the primary operational cost in running a data center. So making it more efficient means making sure that you're using that electricity in a most efficient way possible. And so a way like this where we can take what is a waste product and essentially create new value for a waste product is kind of an example of this circular system that we're setting up here as well. AI is just the latest use of these data centers and this cloud infrastructure. And so by building these data centers, we're able to support these new AI workloads, as well as the traditional cloud workloads that people are using today. Do you think we will have enough energy to go around in Europe to support all these new data centers with the explosion of AI? One of the great things about data centers is that they're able to take advantage of this new renewable energy. All Microsoft data centers are powered by zero carbon sources of energy. And by building in advance, we're actually helping create a market to add new additional generation, new power generation onto the markets that we operate in as well. I think distributing the data centers around the world where customers are, where the users are, and where the energy is really helps make a more sustainable grid overall. And so having data centers centralized in particular markets does pose a risk if they're using too much of that infrastructure. So it's important for us to really make sure that the infrastructure is distributed around the world. Powering the AI revolution is not easy on national power grids. Remember Ireland? They even put a moratorium on constructing new data centers out of fear of overpowering their grid. So why are Finns so happy to welcome new data centers on their soil? Because this data center is our main source of clean heating for district heating system, and in Finland we still have
snow and cold winters, and we need much heating, and people who are using YouTube or AI will produce excess heat for our homes. Actually, half of Espoo will be heated by this data center. That's our main interest in also enabling this project. Finland has a huge amount of clean electricity. We've been able to scale up electricity production during the past 10 years from non-fossil sources better than in most areas in Europe, and we have a very strong national grid connection, so it was possible to find a location where there is strong grid, enough electricity, and then also a need for this excess heat. Another country trying to attract data and AI investment is France. In February 2025, at the AI Action Summit in Paris, President Emmanuel Macron touted the country's low-carbon nuclear energy supply, inviting companies to plug, baby, plug. Electricity is available. You can plug, it's ready. Unsurprisingly, big players like Google or Microsoft dominate the market and the energy demand. But some AI developers in Europe are trying to carve out their own niche, setting a pace that is more suited to the continent's energy capacity. One homegrown French lab doing this is Kyutai. They work in open source, which means the research is accessible by anyone. By sharing resources, companies that want to replicate their models don't have to go through the same processes of trial and error that they did. En tout cas, ça va enlever tous les problèmes de paille à note, quoi. On ne doit pas se dire qu'il y a une chance sur deux pour que la diarisation soit incorrecte. La diarisation, elle est nécessairement parfaitement correcte. Yeah, tech speak can be a bit tricky for outsiders, but no worries. Alexandre toned it down for our benefit. Sur certaines grosses structures américaines, on peut être plus dans une recherche de la performance à tout prix. Sur les acteurs européens, on va avoir accès et utiliser beaucoup moins de ressources de calcul que les Américains. Donc ça nous force effectivement aussi à être un peu malin sur ce qu'on va faire. Après, on va avoir un certain nombre d'avantages et on a quand même des moyens suffisamment conséquents pour avoir un leadership sur un certain nombre de domaines. For example, we are currently thinking that our technology has no equivalent on translation. Mais je pense que in fine, au-delà de la contrainte matérielle, c'est aussi un choix qui vient des valeurs européennes d'essayer de trouver un équilibre entre la performance qu'on souhaite atteindre et les ressources qui sont utilisées pour cela. Donc nous, l'essentiel du coup, c'est le développement des modèles. Donc pour donner un ordre d'idée, notre cluster, il est composé de 1000 cartes graphiques et ça représente à peu près 1000 grille-pains. Donc c'est comme s'il y avait 1000 grille-pains en permanence allumés. Certains des laboratoires concurrents, ils peuvent avoir 10 à 100 fois plus de ressources de calcul. Donc le cluster de XAI par exemple, donc l'entreprise d'Elon Musk, c'est au moins 100 000 cartes graphiques. Si ce n'est 200 000, donc 200 000 grille-pains. Nous, notre but d'autant plus, c'est avec l'open source de se dire que ce coût d'entraînement, en fait, on va le rentabiliser en réduisant le coût d'expérimentation d'autres structures, que ce soit des startups ou d'autres laboratoires concurrents. Donc ça, c'est un peu aussi comme ça que fonctionne la science. Et nous, on a une certaine appétence pour développer des modèles qui peuvent tourner directement sur soit les ordinateurs, soit sur les téléphones des utilisateurs. Donc vu que ces modèles sont plus petits, pareil, en fait, c'est dès le départ, on va se dire, on veut avoir la meilleure performance avec cette taille-là de modèle. Ça va réduire les coûts d'entraînement parce qu'ils sont plus petits et ça réduit l'impact aussi sur le long terme de ces modèles parce qu'ils vont être capables de tourner sur plus de dispositifs en consommant moins d'énergie. Moi, ce que je pense, c'est que c'est important de maîtriser cette technologie au niveau européen pour être capable de faire ses choix, en fait, pour être capable de dire là, on a envie de mettre la priorité plutôt sur tel usage de la technologie, que là, on est encore dans une phase où on voit énormément de développement, on peut voir des débuts d'abus. Je pense que ce qui est important, c'est de rester en contrôle du développement de cette technologie sur le sol européen. For many, the hope is that the tech and infrastructure will develop fast enough that the energy problem will practically solve itself. Right now, a lot of tech companies pride themselves on powering their AI with renewables or low-carbon energy. But do we have enough for the speed at which AI is developing? And what does this mean for carbon emissions?
We asked the Shift Project, a think tank specialized in decarbonizing the economy, and the timing couldn't be better, because they're currently working on a report about what AI will mean for the climate transition. Marlène is one of the authors. Ce qui est sûr, c'est qu'avec l'IA numérique, la facture énergétique elle monte partout, donc ça veut dire installer des nouvelles capacités électriques. Je crois que la demande pour l'IA au niveau européen, c'est 35 gigawatts. 1 gigawatt, c'est une centrale nucléaire, donc ça veut dire en installation, il va falloir qu'on rajoute l'équivalent de 35 centrales nucléaires. Donc si c'est des centrales nucléaires, c'est des centrales nucléaires. Si c'est autre chose, ça veut dire qu'il faut rajouter 35 fois cet équivalent. On veut être un peu sûr que le numérique soit du côté de la transition, l'aide, la permette, puisse éventuellement l'accélérer et pas l'empêche parce que grignotant toute son électricité. Des fonctionnalités d'IA générative et de son... Je pense que les besoins ils sont vraiment trop. Et quand on regarde les mix énergétiques pour l'IA selon les continents, par exemple en Chine, il va y avoir une part avec de l'électricité, mais il y a une part qui reste au charbon. Les États-Unis, ils ont tenté de rester qu'avec du bas carbone, mais ils n'y arrivent pas. Donc je pense qu'il y a un enjeu à faire baisser la facture énergétique pour rester que sur du bas carbone. Pour nous, il y a vraiment un enjeu à venir sélectionner dans les utilisations de l'IA, celles qui sont pertinente énergétiquement, donc au sens où ça va nous aider à faire des économies d'énergie par ailleurs, celles qui sont utiles à la transition, et il y en a qui vont être utiles à la transition, mais il y a quand même un gros morceau qui n'est pas trop utile et qui pour autant existe, et vraiment c'est dans ce morceau-là qu'il faut faire des économies d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. So ultimately, it's really hard to say whether AI is 100% good or bad for the planet. It could contribute to things like saving energy, managing waste, or predicting floods, but at the same time, it can also be used for things like optimizing petrol extraction. Like many transformative technologies, it depends what it's used for. C'est un peu la même question pour le plastique. Oui, des fois, avoir un contenant emballage en plastique, ça peut être hyper pratique. Mais la vérité, c'est que l'alternative sans plastique, elle existe aussi. C'est comme la voiture. Oui, mais pour faire un kilomètre, tu peux prendre le vélo. Et donc, en fait, tes émissions de carbone à la fin de l'année, ça va dépendre de combien de fois tu as pris la voiture et combien de fois tu as pris le vélo. Bah, ça va dépendre de combien de fois tu as pris l'IA et combien de fois tu as fait marcher ton cerveau à la place, quoi.